putain, une witch. Oh. Oh. Est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle arrive ou pas? Ah. Oh putain, non. Oh putain, le demi-cœur. Ah non, je suis au fond du gouffre. Bordel de merde, je me suis assis comme une merde sur mon fauteuil avec les genoux pliés. Et là, je sens plus mes jambes, je me sens comme paralysé. D'accord. Très bien. Continuez de nous envoyer vos anecdotes de vie. Et 16 minutes. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'ils font? Le niveau de la batterie est faible, il faut charger la batterie. Les régisseurs. Ah, on a perdu la caméra. La caméra s'est éteinte. Il faut recharger les batteries. Ah ouais, bon, une web TV de qualité. Hein. Bah, qui dirige ça, c'est vraiment un bouffon. Il y a des moyens. Hein. Heureusement qu'on a changé de directeur. Ah, on fait les trucs en direct et tout. Alors. Heureusement qu'on a changé de directeur de programmation. Parce que, ah bah putain, long. Heureusement que je peux pas faire la régie en même temps. Mais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en T-Time high-tech. Non mais j'aime bien les flames. Ouais, oh bah oui. Oui. Oh bah oui. Bah oui. Ah, il y en a carrément plus d'images. Si, enfin, c'est de pire en pire. Hein. Si t'es prêt à discuter de tous les sujets sur lesquels je vais te lancer. Attends, parce qu'on a plus d'images là, c'est de pire en pire. Ah c'est bien. Bon. Bonjour. Ah là, c'est de plus en plus à la zob ici, hein. C'est catastrophique. Hein, vraiment. Ah, on est en train de récupérer un câble d'alimentation d'une troisième caméra pour le remettre très bien. Il se passe des trucs. Oh putain, j'ai honte. Si vous pouviez voir. Oh, j'ai si honte. Vous pouviez voir. Très bien. On va parler de l'État français qui va nous permettre de les joindre par mail d'ici à 2016. Bravo. Ah là là. Vous êtes à jour. Alors, les mecs. Voilà. À un moment, ils commencent à recevoir des requêtes DMCA de Google d'après un ayant droit donc, qui s'appellerait First Christ Copyright. Ok. Bon. Ok, bon, il reçoit ça, il est en mode, bon, je sais pas ce que c'est, machin. Et au bout d'un moment... Et eh ben sa chaîne est bloquée. Il meurt. C'est un peu ça. Sa chaîne est bloquée. Et du coup, le seul moyen pour lui de récupérer sa chaîne, c'est de montrer patte blanche. Et donc d'envoyer à Google des informations personnelles. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Il envoie tout ça à Google. Et comme... Il meurt. Et comme énoncé... Bientôt. Ah, et comme énoncé dans les règles d'utilisation de YouTube... Ils envoient ce qu'ils veulent. Quand il y a ce genre de truc, ils envoient des copies de toutes ces informations à l'ayant droit. Il meurt. Bientôt, First Christ Copyright étant une société qui n'existe pas et qui est en fait détenue par des islamistes extrémistes. Ils sont trop forts, n'empêche. Qui ont envoyé des menaces de mort, du coup, à cette personne qui gère la chaîne YouTube Alayat et qui ont également menacé de diffuser toutes ces informations à des chaînes islamistes extrémistes, etc. Formidable. Ou donc, des sites, des forums, etc. C'est formidable. Donc il n'est pas encore mort. Donc pour le moment, il n'est pas encore mort puisque les services secrets américains et allemands sont sur le coup et vont tenter de le protéger, mais il est quand même dans la merde. Plutôt mal. Dans la méga merde. Enfin, il doit dormir les fesses serrées. Voilà, parce que toi maintenant t'es devenu un ayant droit. Alors si ça se trouve, tu n'es pas un ayant droit. Ah oui, c'est vrai. Si ça se trouve, c'est pas toi. Bah non, c'est pas moi. Bah voilà. Alors, c'est... tu vas faire quoi? Alors c'est qui? Perdu. Bon. Tu sais qu'en plus, j'ai enfin eu le droit là. Google m'a envoyé un message en disant. Maintenant, si des trucs vous appartiennent, on peut les strike pour vous, si vous voulez. Et j'étais en mode, faites-le. Et j'ai rien reçu. Parlons caca. Hein? Si, parlons caca. Avec ça une... fait rire, hein? Oui, ah, moi, c'est rigolo. J'essaye de pas rigoler, ah, mais c'est dur. Ah, le caca, c'est délicieux. C'est délicieux. Shit Express, qui est une société, en fait, qui envoie de la merde aux gens. Formidable, voilà. Il sort d'où cette merde? Eh bien... Justement, du cul d'un cheval. Formidable. Puisque tu peux... En fait, c'est un service, tu peux choisir l'animal... dont tu prends les excréments, tu choisis ton destinataire, tu choisis un petit mot que tu ajoutes à ton envoi. Va bien niquer. Et le... Va bien niquer. Va bien niquer. Parce que normalement, t'envoies ça à quelqu'un que t'aimes pas ou quelqu'un que t'aimes bien à qui tu veux faire une grosse vanne. Allez, virgule, va bien niquer. Voilà. Voilà, c'est incroyable. Des sites internet qui servent à quelque chose, il fallait qu'on en parle. Ça te fait rire, Vélade. Ça te fait rire, le caca. Ah, Vélade, il attend la merde de cochon. Mais là, c'est vraiment. C'est parce que... Non, mais parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc Slovénie, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, hein, dans la vraie vie, hein, qui existent, qui ont une cinquantaine de mois. Il y a des journalistes qui ont testé, hein, ça marche. Okay. Ça, il se met à peu près 2 semaines. Ouais, ok. Voilà. Donc il y a des gens, hein, qui ont des boîtes devant eux dans des entrepôts, et donc ils vont voir leurs potes agriculteurs, ils font ça va, check, ouais, bien, c'est pour qui aujourd'hui? Bon, un journaliste, là. Et donc, vas-y, fais chier ton cheval, et ils prennent une pelle, et ils mettent dans le truc, et voilà. Vous avez 40 sorts, on vous en propose 16 sur le pouce. Mais what the fuck? Mais va te faire, enfin, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, A, F, G. Majuscule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, A, F, G. Contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, A, F, G. Alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, 3, F, G. Ta mère, j'ai pas besoin de 16 boutons sur la souris. Qu'est-ce que tu fais? Stop. Voilà. Voilà. Merci. Bon, non, mais un bon Google, alors. Donc a priori une bonne souris. Oui, mais bon, les mecs, ça fait 10 ans que vous développez votre casque.
au bout d'un moment, est-ce qu'on en a pas marre d'attendre? Donc voilà, donc Oculus qui, en plus, vous avez reçu qui se prépare à sortir là. L'Oculus Rift en 2015. Tu peux mettre tu peux mettre plein de trucs, genre tu peux mettre l'Oculus Rift plus des gants plus une combinaison qui fait, c'est pas vrai, bah il y a des trucs que tu peux acheter en plus, tu vois, mais bon, après tu deviens un robot, enfin c'est chiant, c'est chiant. La force qu'est-ce qu'elle fait, la force? C'est bien. T'as bien commencé avec le C. La force c'est pas bien. Force c'est dangereux. Non, c'est pas C, c'est apostrophe ST. La force caduque. Non. La force tranquille. Non. La force sceptique. Non. La force Il est trop con. Non. La force attends, je vais trouver. Le matin, tu te réveilles. Oui, la force s'éveille. En fait, c'est l'éveil. La force réveille. Non. Bon, on a un tank en papier mâché, hein, bien sûr, qui encaisse les dégâts comme une huître avec un couteau à huître. Oh, mais Kike, oh! Oh! Kike! Putain! Bon, il m'arrête. Ah! Mais putain, c'est quoi ces mobs? Il y a un tank OP qui peut me PL qui m'a dispo. Il y a un tank OP qui peut me PL qui m'a dispo. Qui m'a wisp qu'il était dispo. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Putain, mais il se fait déjà def, il a pris deux coups. On dirait qu'il est tout nu et qu'il tanque de dos, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ce ne serait pas... Mais si! Mais c'est une copie de Super Smash Bros. Wii U que vous n'avez pas, qui sort dans 2 semaines en France. Et que nous avons en avance, mais que nous ne pouvons pas vous montrer en stream parce qu'elle est sous NDA. C'est génial! Bon, j'y jouerai tout à l'heure. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous devez les arrêter! C'est toi, arrêtez! C'est ce qu'elle vient de lui dire, en gros. Et après, on fera un petit Super Smash Bros. Wii U, hein? Évidemment, je vous le montre quand même. La copie qui sort dans 2 semaines en France, que nous avons déjà, mais que nous ne pouvons pas vous streamer. Voilà. Allez, à tout de suite. Par là! Oh putain, c'est par là. Oh non! Oh merde, non! Oh non, merde, là! Oh non, c'est chiant! Je suis tombé! Putain, je suis tombé là, oh putain! Pas accès au chat actuellement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, on va essayer de jouer à des jeux vidéo ce soir sur le live. Regardez, hop, on revient, transition, et là, carré qui apparaît ici, voilà exactement. C'était trop bien ça! Vas-y, refais, regarde! Hey! Follow the leader, 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 follow the leader. Non, ça vous fait mal à la tête, donc on arrête. Alors par contre, il fait trop chaud. Je vais donc me dévêtir comme dans n'importe quel scénario de film de cul nul. Comme dans un gonzo entièrement financé par l'argent de la pub. Alors, désolé, on fait très peu de pub en ce moment. On est sur du à peine 25-30 minutes de pub toutes les 40 minutes. Désolé, promis, les prochaines pauses pub seront plus longues. On en a marre. Et de faire des pubs trop courtes, vous êtes plein, on vous a écouté. Je vous ai compris. Zerator. Ce parce que Squeezie a sorti une drôle de vidéo. Et tu devrais, il est super. Je t'aime Zerator, continue comme ça. Waouh. Relisez-vous avant de tipser. Et donc là, si on mange des phoques, ça va le faire. Bip 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 phoque. Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Les plongeurs douaniers, nice hack. Le gros rageux, nice hack en tout cas. Bravo hein. Il lâche des boulesses. Le CPM. Steve, laisse pas tomber le CPM. Putain. Attendez, j'étais concentré sur le CPM. Ce n'est pas un jeu facile. Ta gueule. Je suis ravi d'avoir gagné contre le numéro 1 mondial des plongeurs. Voilà, mais bon, après, est-ce qu'il y a skill sur ce jeu? Oh, On ne sait pas, mais en tout cas, bon, encore un jeu de plus où j'affirme ma suprématie. Urbi a donc été vaincu, le numéro 1 mondial, voilà, de Debs. Après, c'est pas grave, voilà, chacun son niveau, chacun peut jouer
haut niveau qu'il veut, Urbis et Faker. Bah visiblement non, je ne peux pas gagner contre un Faker à League of Legends, alors que contre Urbis sur Depths, en tout cas ce que je vois, c'est qu'il a été massacré et qu'il a manqué de skill ou d'ajustement dans son talent. Voilà. Donc 3 points. C'est marrant ça, qu'est-ce qu'il a ce doigt, il déconne là, attendez. Déconne complet. Peut-être que si je fais genre ça. Non mais attendez, il y a un vrai souci hein. Si je fais ça peut-être. Ah voilà. Ah là c'est formidable. Bonjour. Vous savez, nous chez Facebook, nous adorons. Non, c'est la pub pour les iPods. La pub pour les iPods. Ça vous fait rire. Zerago faire couler EC comme ça tu reprends la ZTV, tu stream toute la journée. Oh non, oula, pitié. No God! No God, please no! 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 Meurs! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2! Et voilà! Oh putain! On dirait que tu fais des lasagnes dans Cook Serve Delicious! Passe à la sauce cheese parmesan! Passe à la sauce cheese parmesan! Passe à la sauce cheese parmesan! Petite musique là! Ouais, j'ai du vide! Et pas le pour rigoler! Quand Zera va se balader dans les bureaux, il va gueuler 1, 2, 3, 4! Le strip de Zera! 1, 2, 2, 1, 2, merde, j'ai raté! 1, 2! Regardez ton stream après avoir lagué sur Assassin's Creed Unity, c'est un peu comme regarder Bip Bip après un concert de Doc Gynéco. Meurs! 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Alors, tu vas faire quoi? La frustration qui naît à la découverte de chaque porte est à la hauteur de la frustration de la découverte de l'excitation de ce quelqu'un. Je vous avais entendu la dernière phrase. C'est quoi Eve qui a écrit ça? Et oui, parce que le problème, c'est qu'à l'écrit, ça fait trop beau. Mais à l'oral, vous écoutez ça, vous êtes là. Eh? Ouais, qu'est-ce que tu dis là, eh? Wow, regardez. Regardez ma main. Ça fait comme les pizzas 4 chaussures. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Should I stay or should I go? Oh, le strike YouTube! Merde! Les droits des musiques! Ubisoft, qu'est-ce que vous faites? Faut que je mette la visée automatique, hein, sinon ça va pas aller. Il me faut la visée automatique, hein, sinon je peux pas. Hein. Aide à la visée. Oh, il y a déjà la visée. Il y a déjà l'aide à la visée. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai, menteur. C'est moi où Zerator lance des saucissons sur les ennemis. Lançons du pain, du saucisson. Le mec est en train de courir. Des hommes de Pagadmin seront là dans pas longtemps. Il va falloir se battre. Voilà. Oui, oui, on y va. Une avalanche. Attendez. C'est où? Son père. Ah, on pouvait pas. Tiens, très bien, le village de 68 habitants du fin fond des Vosges. N'importe quoi. Elle a pas de flèche. Écoute, j'ai mal réagi tout à l'heure. Oh, elle a pas de flèche. C'est la guerre. Qu'est-ce qu'elle fait? On perd des hommes tous les jours, on a qu'est-ce du mal à s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle fait? Faire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Regardez. Je suis pas un soldat, mais je veux aider. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Il y a une ferme pas loin d'ici. Ça marche. C'est pas, celle ça. De Canaan, mais elle est vieille et a besoin d'aide ça pour se pas, protéger ça. Des animaux sauvages. Mais c'est normal, il faut des flèches déjà. Quand je vais protéger je veux avec que tu rapportes les pots intacts, alors prends ça. Badra. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, applique-toi. Essaie encore. Est-il toujours aussi solide? Ah ben oui. Les gardes des villages sont en fait des fanatiques. Des pas des fanatiques. N'importe quoi. Madame, ce quad saura vous choisir avant que vous ne le choisissiez. Il est beau, il est frais, il est indestructible, madame, pour le prix d'un quad. Recevez non pas un demi, mais bien un quad. Allons-y, arme de poing uniquement. Vas-y. Bonjour. Bonjour. C'est ça, casse-toi. Ah oui, la puissance du quad. Ah oui. Ah c'est cocasse. On se lâche.
Marchand itinérant, bonjour. Nouvelle arme débloquée. 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 Et voilà. Alors vous allez voir, le piratage c'est très simple dans ce pays. Meurs. Ouais, piratage. Hein. Et c'est le premier clocher libéré, mesdames et messieurs. Voyons voir ce que nous avons. Wouh, Josiane, avec cette tour radio, vous gagnez la possibilité de dépouiller le brouillard de guerre, mais aussi la ferme de Prabakar, un lieu dans lequel vous pourrez anéantir les potirons des ennemis. Vous aurez aussi la maison du vieil Isha, avec bien sûr trois gardes et un feu. Ils sont en train de regarder, ils savent pas trop ce qui se passe. Et évidemment, le refuge de Kira, dans lequel vous pourrez prendre de nouvelles quêtes et aller chasser de nouveaux sangliers. Ah si, Booba. Je t'en dis où il est. Oh merde. Oh mais, merde, non, ah, non, ah, mon Delta Plane. Oh ben non, je faisais le con et je regardais XSplit, du coup j'ai annulé. Et donc on a, vous voyez, le message complètement rebelle des dissidents qui est diffusé dans cette voiture afin d'avoir de nouvelles informations, n'est-ce pas? Un message dissident contre la propagande du dictateur pagan. Il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est vraiment la bonne nouvelle, quoi. Il y a des soldats qui se dirigent vers la maison communautaire. C'est là que se trouve Padra. Et Jay, double A. La maison communautaire, vite. La maison pour tous de la MJC de Melun. Par là. Forcément par là, il fallait grimper et tout, forcément par là. C'est pas par là? Ah, c'est par là! Comme ça, là, grimper! Non? Ou alors c'est là, tout simplement. Ou alors par le sous-sol! Pas du tout! Pas du tout, du tout! Voilà, ah, je sais! Montons tout en haut, comme un porc. Ensuite, on fait le grand saut, d'accord? Vers l'infini et l'au-delà! Ah, mais moi, à mon avis, c'est par là. Ah, sinon, je sais! Hip-hop Gredal! Oh, ça, désolé, mais ça aurait dû marcher, quoi. La fenêtre. Mais de quoi la fenêtre? Pourquoi? Oh, quoi? Je me casse. Et rapide, saute à travers les rizières! Le 3-6 sur la tyrolienne, c'est très réaliste. Allez, on est dos, on se lâche. Ah! Bon, ça sert à rien. C'est fait. Meurs le garde, l'otage. Non, mais pardon. Meurs la voiture! Putain, c'était tellement James Bond, ça, vous avez eu ça? Vous avez eu ça, quoi? Il envoie la... Il envoie la voiture dans la... Putain, putain, je suis un malade. Bonjour. Bonjour. Ah oui, d'accord, donc je n'existe pas pour vous, c'est ça? Ouais, c'est ça, je préfère. Baisse les yeux. On ne peut pas échapper à cette chaleur. Ouais, sans deck. Crève de chaud, ici. Josiane, grâce à ce nouveau clocher sur les 17 manquants, vous débloquerez en premier lieu la maison de Pramine, un lieu gentil dans lequel vous aurez des otages à libérer. Vous aurez également les salles des larmes de Satish dans lesquelles on brûle des corps, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sent pas mauvais. Vous aurez au final le repère du tigre dans lequel vous pourrez aller chasser l'animal dangereux aux rayures multicolores.